Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Pour la seconde année consécutive, Sylvère Fournier s'est vu récompensé lors de la 14e édition de Jardin Jardin aux Tuileries. Le prix de la presse, trophée Havilland, a été décerné à sa terrasse Factory Garden, friche industrielle où la nature a repris ses droits. J'ai imaginé un jardin qui sortait d'une usine, en fait, comme si c'était une vieille usine. Et là, c'est une usine qui a été abandonnée, recolonisée par une végétation spontanée, et puis qui s'est transformée en petit havre de paix, un petit coin de paradis où, on aime retourner à l'usine. Et puis aussi, ce jardin, il faut dire qu'il a été, l'inspiration est venue d'une rencontre. Une rencontre humaine avec François Lebotte, qui fait du mobilier avec des éléments de recyclage. Et c'est certainement lui qui m'a inspiré pour ce jardin. On avait envie de travailler ensemble. J'aime vraiment ce qu'il fait. Et le jardin est né un peu comme ça. Même sur une petite surface, on arrive aussi à créer des effets de surprise. En montant, on va commencer à voir le jardin d'en haut. Et donc, ça change aussi toute la vision du jardin. C'est ce qui est super intéressant. Et on a réussi à agrandir la surface exploitable, parce qu'on n'est que sur 35 mètres carrés, en s'amusant à recréer à l'étage une autre terrasse. Une terrasse, donc on redouble la surface de vie au jardin. Et puis je me suis amusé à la rendre aussi un petit peu nourricière. On retrouve un peu de fraisier, de salade, mélangé à de l'ornement. Donc on se réapproprie vraiment le jardin et cet univers qui était quand même industriel, où tout était presque aseptisé, entre guillemets. Véritable décor de cinéma imaginé des mois en amont, l'espace y est scénographié dans les moindres détails. On travaille beaucoup sur l'équilibre des volumes, c'est surtout pas dévier, de pas avoir de fausses notes, et d'aller jusqu'au petit détail. Je pense que le petit détail fait la différence. On travaille énormément les plantes, on ne sait pas où elles vont au début, en fait, et on les place, on les redéplace pour que là on se dise, ça y est, on trouve cet équilibre. Mais c'est vraiment un travail, moi je relie mon métier à de la peinture. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir le jardin comment il sera tant qu'on ne l'a pas commencé et qu'il n'est pas fini. Et qu'il y a des fois, on a besoin d'effacer un petit peu, de remettre un coup de pinceau, remettre un coup de couleur. Et c'est comme ça que je pense qu'on arrive à faire un joli jardin et abouti, et tout simplement.